J'étais donc en train de regarder certaines vidéos de rêves sur l'enlèvement. Je viens de faire un rêve beaucoup plus vivant et mémorable que les rêves que j'ai déjà faits. Je fais des rêves, mais ce n'est pas souvent qu'ils sont incroyablement mémorables et que je me souvienne d'un grand nombre de détails, et même de détails très fins. Mais celui-ci, surtout parce que j'avais vu une vidéo d'une fille dont le rêve était très similaire au mien, et quand j'écoutais son rêve, j'ai eu la chair de poule. J'étais comme « Oh, mais c'est exactement comme mon rêve !» C'était donc comme une confirmation que mon rêve n'était pas quelque chose sorti de ma propre tête et de ma conscience. Bref, je vais donc parler de mon rêve, qui est assez court. Il y avait deux parties. Et la première partie, c'était presque comme si j'avais raté l'enlèvement. Donc c'était comme un combat pour la survie. Il fallait faire très attention au moment où tu quittes ta maison. Je me souviens que dans mon rêve, il n'était pas vraiment prudent d'être sur les routes principales, et j'y étais pour une raison quelconque. Mais il est certain que les gens vous volaient ou vous tuaient si besoin était. Je me souviens donc qu'il n'était pas facile de s'en sortir. Il fallait être très discret, être très secret, où tu allais et pourquoi. C'est à peu près les choses dont je me souviens de ce rêve. Et puis la deuxième partie de ce rêve, dans la même nuit, c'était comme si j'avais fait l'enlèvement. Et la seule chose dont je me souvienne, c'est d'avoir été arrachée de la terre. J'étais dans le noir de l'espace, et je pouvais voir la terre en dessous de moi, et je regardais la terre entière s'obscurcir, perdre de sa puissance. En gros, elle perdait de son éclat. C'était la nuit, et je voyais la terre, et je regardais les lumières s'éteindre, l'une après l'autre. Tout était obscur. Je me souviens d'avoir pensé, « Oh, j'ai réussi. Dieu merci, j'ai réussi. » Car je ne voudrais pas être là-bas en ce moment. Il est intéressant que j'ai eu les deux parties de l'enlèvement dans mon rêve. Parce qu'une partie de moi et de mon âme ne peut plus attendre pour voir Jésus. Mais une autre partie de moi est terrifiée à l'idée d'être flouée en pensant que je le connais. Je veux tellement et profondément le connaître, intimement. Et cette petite partie de moi est vraiment effrayée à l'idée que je fasse semblant et que je me mette de côté par moi-même. Mais en même temps, dans mon âme, je réalise quelle époque pour être en vie. Si je me trompe en pensant que je connaissais Jésus intimement, mais qu'on me renie et que je rate l'enlèvement, je dois combattre, évidemment, parce que si l'enlèvement a lieu, oui, je sais, c'est arrivé, et j'ai raté l'enlèvement. Je pensais connaître Jésus, et je ne le connaissais pas. Je pensais que je le suivais, mais je ne le faisais pas. À ce moment-là, tu dois faire tes preuves. Si vous vivez jusqu'à l'enlèvement et que vous le ratez, à ce moment-là, vous n'avez pas d'autre choix que de faire vos preuves, de prouver votre foi. Et bienheureux celui qui n'a pas vu, mais qui croit. Mais pour ceux qui peut-être seront laissés,
Vous avez une seconde chance que la plupart des gens qui sont morts avant vous n'ont pas eue. Et vous devez vous battre. Je me battrais jusqu'à la mort pour le nom de Jésus si j'étais laissé derrière.